Protostar Corporation n'est pas responsable des blessures pouvant survenir lorsque vous vous précipiterez pour profiter de cette offre limitée dans le temps. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom sur l'épisode 2. Ouais, c'est alors c'est marrant parce que dans le précédent épisode j'ai réussi à récupérer ma fiole et là je peux en récupérer une autre, c'est cool. Donc vous avez pu voir, chers amis, que on avait récupéré plein de trucs. Hein. Donc maintenant on a une mission à faire, c'est aller buter le grand prêtre Chasse-Tempête, qui se trouve donc par ici. Pour ce qui est de l'exploration, chers amis, j'irai moi-même, non, sur Google, et je pense qu'on le fera en fin de zone, l'exploration de cette carte. Il a combien de mètres? 171 mètres. Récolté, tiens non. Niveau de mineur insuffisant. Vous l'avez dans le fion, je vous la mets dans le fion. Ok, donc il est par là. Ah bah il serait bien haut en plus là, non? Commencez par eux. Boum 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 boum. Triple tuerie, non? Ah bah voilà. Alors le grand prêtre, le voilà. Péri! Tu as fait une erreur! Tu as fait une erreur! C'est quoi? Ah bah non, j'ai même pas le temps de le soumettre, le pauvre. Cinématique, cool. La pluie va-t-elle cesser? La pluie a cessé, cool. Oh, même l'arc-en-ciel, génial. Ok, il y a même un nouveau pantalon, je crois. Jambière du chaman du sang. Ok. Folklore acquis. Oh. J'ai eu les rapports concernant le changement de comportement. Début du défi. Sauter du sommet de la veine de courant. Je n'avais pas réalisé les véritables conséquences. Défi terminé. Hop là, génial. C'était cool. Je ne peux le décrire que comme une sorte de temple dédié à une déité aquatique indéterminée. Alors. Qu'un certain nombre des leurs a commencé à vénérer. Ça me coûte un PO pour me déplacer. Annulé. C'est mort, vivement la monture. Mais je trouve personnellement. Alors les jambières. Très inquiétante leur étrange divergence. Oh, puis elles sont nazes. Je vais quand même les récupérer au niveau de. De l'holopendrie. Et puis elles sont moches en plus. Ah oui, d'accord, faut que j'attende. Ok. Elles sont d'une mocheté. Regardez ça! Hop là, c'est moche! Enfin bon, c'est pas grave. On avance. 800 mètres. Autrement dit, à peu près 80 secondes. Bah ça va, c'est pas si long que ça. À quoi ressemble mon truc dans le dos? Ouais, il est tout petit. Il faudra que j'espère qu'il va y avoir des trucs un peu plus balèzes. Parce que franchement, voilà quoi. Bon, bah ce jeu est vraiment cool. Hein. Ce jeu est vraiment cool. On a pu voir aussi qu'il était aussi un petit peu basé sur le skill et pas uniquement sur le personnage en lui-même. Parce que j'ai réussi à buter un... C'est-à-dire que dans certains jeux, en fait, ce que j'entends par là, c'est que dans certains jeux, une quête de groupe ne se fait qu'en groupe. Parce que le jeu ne te considère pas comme suffisamment balèze et la skill fera que tu ne pourras pas le faire. Enfin, c'est pas la skill qui fera que tu peux pas le faire, en fait, c'est vraiment le jeu qui t'interdira de le faire, entre guillemets. Et là, au final, vous avez pu voir que j'ai fait un 2+, sans... Donc on va dire, on va appeler ça un élite argent si vous jouez à WoW. Sans trop de soucis, hein. Et encore, j'ai même pas trop utilisé de compétences de heal. Ah cool, je peux utiliser deux fois. PV toutes les secondes se cumulent deux fois, d'accord. 122 PV sur, j'en ai combien? Pendant combien de temps? Pendant 7 secondes, ça fait 720 PV, ça fait un cinquième de mes points de vie, c'est pas rien.
Par contre, je suis perdu. Hop, j'ai couru trop loin. Hop. Alors. Oh, il y a un bouquin ici. En ne sachant pas trop s'il y a des succès au niveau de ce genre de choses, je préfère encore la récupérer, des fois que ça m'apporte quelque chose. Recruteur des protégés, donc c'est lui qui fait l'espèce de donjon. Oh! Je suis Tiberia Marcella, citoyenne et médiatrice de la commission de victoire du Dominion, artisanat du Dominion à Elevardis. Tes supérieurs ont besoin de toi, grâce à tes futurs chefs-d'œuvre artisanaux, mes négociants apporteront les bienfaits de la civilisation à Nexus. Un peu d'artisanat, pourquoi pas? Ce ne sera pas facile, mais tu sembles à la hauteur de cette mission. Parler au maître artisan, pourquoi pas? Je sais qu'elle est sur la droite, normalement. Voilà. Pourquoi c'est elle que je vois? Et pour le petit monsieur, ce sera quoi? Qu'est-ce qui mijote? Tu as d'apprécier la bonne bouffe? Apprenez-moi à cuisiner. T'as fait un sacré beau boulot. Ah, cool. J'espère que je peux prendre plusieurs métiers. Plat de viande. Bah alors du coup, je peux peut-être utiliser mes deux... Ah, cool, génial. Absolument génial. Et donc si je veux allumer le grill, voilà, d'accord. Charger le schéma. D'accord. Lancer la fabrication. Fabriquer. Hein ? Ok, là je peux plus le faire. J'ai pas compris du tout le système visuel en tout cas. Bonjour. Quiconque sait écouter peut apprendre. Je suis prêt. Ta présence est requise. Les ficelles du métier. Tu es plutôt un manuel, dans ce cas, tente ta chance chez les armuriers, les forgerons, les couturiers, les confectionneurs et les architectes ou les alchimistes. Va. Ok. Je suis cuisinier, d'accord. Chasseur de reliques. Avec les chimistes, d'accord. Ah, ça c'est bon à savoir. Adepte de la souris, atelier de la batte, écorche les animaux pour leur viande. Père avec les confectionneurs de couturiers, les architectes. D'accord. Forgeron. Architecte, c'est quoi? Le déco d'une unité immobile de terrain de guerre. L'artisanat demande beaucoup de patience et de ressources. C'est un métier pour les aventuriers entreprenants. C'est un compétence d'artisanat va de pair avec l'adepte de la survie. Complémente les mineurs, les agriculteurs et occasionnellement les chasseurs de reliques. D'accord. On va prendre les trucs simples. Succès obtenu. Hop, voilà. Tu cherches quelque chose ? Matériaux de forgeron débutant, je suis prêt. Bien. Mais armure lourde et basique. What ? Mais je peux pas fabriquer armure lourde, j'ai pris forgeron. Quiconque sait écouter peut apprendre. Les ficelles du métier. Alors ? Et comment ? Tu m'as impressionné. Expédition minière, d'accord, ça c'est pour aller miner. Ce n'est pas une tâche facile. J'en ai fini avec toi. Pour le moment. Parle vite, très occupé. Poste de gravure de runes. Tu devrais y arriver, sinon, tant pis pour toi. Ok, forgeron novice. Armure lourde, ah si, d'accord. Je peux pas utiliser les armures lourdes. Forgeron, excusez-moi, attendez, je me suis planté. Putain. Échanger avec forgeron. Succès obtenu. Par contre, il faudrait que je supprime une quête, du coup. Au revoir. Ah, j'ai des points à mettre.
Niveau 25, d'accord. Ça c'est intéressant. Alors par contre, on voit que j'ai 7 points à mettre en AMP. Ah oui, c'est ça. Faudrait que je vois exactement à quoi ça correspond. Au niveau de la quête. Au niveau de la quête. Voilà, ça là. Abandonné. Oui. Est-ce qu'ils sont prêts à me la redonner? Voilà. Gloire à l'Empire. Là voilà. Beau travail, mais ce n'est que le début. J'analyserai tes moindres faits et gestes. Bon. Bon. Alors c'est ce que ce sera là aussi, peut-être, oui. Armurier novice, d'accord. S'équiper de l'extracto laser, d'accord. Fabriquer une spatte d'entraînement de novice. Charger le schéma. Oh, d'accord. D'accord. Intéressant. C'est pas facile. D'accord. Ouah, la gueule. Alors, ce qui veut dire, normalement, je dois avoir une cellule d'énergie sur moi. Regardez. Non, je peux pas la poser. Lancer la fabrication. Voilà, d'accord. Ici. Hop, je rajoute ça. Là. C'est une épée. Donc je vais mettre un... Hop. Si je fais ça. Normalement mes chances, mes probabilités d'échec sont supérieures à 30%. Ah non, là c'est simplement parce que j'ai pas le ce qu'il faut. J'ai pas mis ce qu'il fallait apparemment. Chance de coup multiple. Probabilité d'échec 0%. 30%, d'accord. Fabriqué. Est-ce qu'on va y arriver? Résultat, vous avez fabriqué une spade d'entraînement de novice. Ok, d'accord. Ok, mais ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas pour moi. C'est ça qui est naze. Ok, c'est pas grave. Donc on a un truc à équiper aussi, semble-t-il. Hop. Ok. C'est fait. Extracto. Voilà, le voilà. Hop. Ok, on l'a équipé. Parle vite, très occupé. Expédition minière. Espère apporter fragment de fer. Bien, bien. Élimination peut-être pas nécessaire. Merci, enfin je crois. Génial. Sous-fifre en général. Apporter l'arme à l'armurière tirée que ça. Oh merde. Ah, quel con. Oui. Oh merde. J'aurais pas dû la déconstruire. Faut que j'aille farmer. Faut que j'aille farmer, chers amis. Fais chier.
Fais chier. Fais chier. Ah, ça c'est cool par contre. Alors. Gisement minier, parfait. Ils sont affichés, mais sous quel symbole ? Une espèce de truc qui sort du sol. De l'autre côté du pont ? On va aller voir. Vous voyez comme quoi des fois on fait bien de regarder la carte. Hop. Bot mineur. C'est marrant qu'il soit mort celui-là. Oh, t'es sérieux? Mais je suis dans une zone de mon niveau. Merde, j'ai fait la touche, il fallait pas. Oh, fais chier. Gisement de titane. Donc titane, je pourrais pas. Bon à savoir. Alors, est-ce qu'on va trouver autre chose ? Telle est la question, est-ce qu'on va trouver autre chose, véritablement ? Parce que là, je vois des sites agricoles, comme ils le disent bien. Ah ! Gisement de fer, là-haut. Parfait. J'y vais de ce pas. Grosse bébête. Alors. Oh, fais pas chier. Hop là. Voilà, ça t'apprendra. Alors. Où est supposé être ce minerai? Apparemment, je ne suis pas au bon endroit. Apparemment, j'y suis en même temps. Allez, là. Ah, c'est stylé. Hop, les. Excusez-moi. Oh, c'est violent. Là-bas, il y a un autre truc de mineur. C'est un champion. Pourquoi c'est marqué champion sur lui et qu'il est pas... Ok, bizarre. Qu'est-ce que c'est ? Examinez. Le poids de la victoire. Cette dépouille et cette lance sont celles de Pointouille, l'aventureux, célèbre chasseur Yop. Malheureusement, sa dernière proie, Broyardo, l'instable, pardon, l'a entraîné avec elle dans la mort. Si c'est pas malheureux, pauvre Poitouille. Si tu le dis. Ok. Oh. Voilà. C'est pas mal, hein. J'aime bien. J'aime bien. Par contre, c'est les câbles. Je pense que les câbles, ça va être quelque chose qu'on doit acheter chez... Bon, on va rentrer, on va aller voir. Alors, le double clic fonctionne. Excusez-moi, je cherche un truc sur ma naga. Voilà. Parce qu'en fait, la naga a un bouton qui fait que
qui fait que les touches se réinitialisent. Donc c'est la double touche, donc les doubles clics. Donc ce que je trouve stupide d'ailleurs à cet endroit-là. Là n'est pas la question cependant. Et donc du coup je préfère utiliser une touche que j'avais paramétrée, mais je me rappelle plus c'est laquelle en fait. Alors, salut escargot. C'est chaud du coup. Hop. Star investit en vous. Inscrivez-vous à l'Académie des Proto-Jeux afin d'apprendre tout ce qu'il faut pour... Alors. On va essayer d'aller voir si elle peut pas nous vendre le câblage. Ce serait cool. As-tu du nouveau pour moi ? Commande, formation d'armurier, production de prototype. D'accord, c'est pas ça que je cherche non plus. Ah, mais arrêtez de m'envoyer des messages. Stand de matériel artisanal, le voilà. Câblage en fer, faut que j'aille voir le câblage qu'il me faut. Épée longue. C'est laquelle qu'il faut que je fasse ? Entraînement, donc celle-là. Câblage en fer. Ok. Hop, les, ça fait du bien par où ça passe. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Il m'en fallait deux. Merde, j'ai pas fait gaffe. J'avoue de pas avoir fait gaffe. Ah, c'est quand même une pièce d'argent. Hein. Hop, charger le schéma. Bon, c'est la fabrication. Hop. Voilà. Fabriqué. Ah merde, je m'en doutais. J'aurais dû m'en douter. Merde, Creddy. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. Ah tant pis. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. On fera trouver le lien dans la barrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut, je sais pas du tout combien de temps dure cet épisode. Par contre, c'est violent. Tant pis.